tirage du loto de cette semaine estimé à une valeur de 300 millions d'euros. Et les numéros sont le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le numéro complémentaire est le 7. Oh, j'ai gagné. C'est incroyable. J'ai joué exactement ces chiffres. Il ne faut pas que les autres la prennent. Si je leur dis, ils vont vouloir que je leur prête au moins 120 euros. Et nous avons un heureux gagnant. Il s'agit de... Mais pourquoi as-tu changé de chaîne? Pourquoi ne me réponds-tu pas? Si tu ne me réponds pas dans moins de 3 secondes, je t'accuse ouvertement de viol en réunion et de racisme à l'embauche. Oh non, il ne va pas encore faire ça. Il m'a déjà envoyé 3 ans à Fresnes pour détournement de fonds publics alors que j'avais juste changé le code du Wi-Fi. 3? Ou quand j'ai fait une semaine de GAV car il avait caché 2 Kalachnikov dans mon coffre pour se venger du fait que je préfère Peaky Blinders à Casa del Papel. 2? Ou quand il a séquestré ma mère pour une chasse mal tirée. 1? Ou quand il m'a poignardé pour une camelle essentielle. 0? Oui, Monsieur Taylor, j'ai bien arrosé vos intentions comme vous m'avez demandé. À lundi. Wow. Ça va? C'est moi. Ouch. Ça fait mal. Les filles, enfin. Wow, Ok. Il est vrai. Je peux le garder? Oh. Yeah. Oh. Les deux! Wow, je ne pensais pas qu'arroser des plantes demandait autant d'énergie. Je suis épuisé. En même temps, vu la taille du jardin de Monsieur Taylor, c'est bien normal. Oui. Mais tu aurais vu... Wow, c'est bon, là! On peut bosser, là, putain! Miss. C'est parce qu'on est content de te voir. Tiens, cassez-vous là, putain. Putain, t'es mort. J'ai envie de boire du lait français. Qui en veut? Volontiers. Pierre Valentin? Oh non, il m'a vu. Je crois qu'il nous cache quelque chose. Pierre Valentin, si tu as encore soulevé ma femme, ne tourne pas autour du pot. Je crois qu'il ne s'agit pas de ta femme, Goneman. Aurais-tu soulevé ma sœur, Pierre Valentin? Tu es vraiment un beau salaud. Je vais nous servir 3 grands verres de lait français et tu nous raconteras comment tu as soulevé ma petite sœur chérie. Allez. C'est le bon moment pour filer à l'anglaise. Qui va là? Pourquoi es-tu si pressé? Oh non, il m'a vu. Oh. Mais qu'est-ce que... Oh, des bouquins. Et hop, oui. C'est une technique des forces spéciales russes. Oh, mais où est-il? Et 3 grands verres de lait issu de l'agriculture biologique française. Pierre Valentin a disparu. Tu veux dire que j'ai préparé un verre de trop? Oui. Mais tu imagines toutes les carences en calcium que ça peut lui causer? Oui. Je n'ai jamais été aussi triste de toute ma vie. Oui. Je vous rappelle le gagnant du loto du jour, Pierre Valentin McDudley, qui repart avec la somme astronomique de 300 millions de dollars. Oh, le fils de p... Fils de pute... Putain, il avait ski. Bien joué. Oh. Hey. Ah. Sur ma mère, je vais en buter un. J'ai fait de la psychiatrie, je m'en bats les couilles. Pierre Valentin, mais où étais-tu passé? Oh non, ils m'ont encore vu. Et c'est quoi tous ces sacs? Mmh. Oh, regarde, c'est un sac. Ces lunettes d'invisibilité ne marchent pas du tout. Allez, regarde. De la farine. Tu voulais faire un gâteau? Oui. Quand j'ai entendu qu'il y avait du lait, je me suis dit qu'il serait une superbe idée que de fêter la Chandeleur tous ensemble. Pierre Valentin, tu m'as fait peur. J'ai cru que ta langue avait disparu. Eh non, elle est encore là. Et d'ailleurs, ta sœur peut le confirmer. C'est vrai, ça. Beau frère. Oui. Une bonne tranche de rire.